C'est Nora Schwartz qui va commencer son temps de préparation pour son concours en finale au Paris Coffee Show. Ok. Venez par ici, c'est le championnat de Latte Art, c'est la finale aujourd'hui. On est très fiers et contents d'accueillir notre cinquième candidate finaliste, Nora Schwartz. Bravo. Nora, tu as 5 minutes à préparer ce concours merveilleux. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, c'est parti! Time. Pour ce concours, tous les candidats utilisent le même café qui a été torréfié par notre partenaire sponsor Café Sati, un mélange 100% Arabica spécialement conçu pour le latte art, ainsi que le lait Lactel de la société Lactalis, lait entier, 3,5% de matière grasse et de protéines, ce qui est le plus important pour faire une belle mousse de lait onctueuse. Toutes les créations sont versées dans ces magnifiques tasses de la société Loveramics. 300 ml pour la grande latte, la grande tasse latte. Et bien sûr, toutes les extractions sont réalisées sur cette magnifique machine de la société Victoria Arduino Legal One. Et juste à sa droite, un moulin aussi de la même société Victoria Arduino, le Mai 75. Donc, tous les candidats ont les mêmes ingrédients, les mêmes machines. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est les baristas.
ces championnats de France sont organisés par l'association la SCA, la Specialty Coffee Association, chapitre français. Nous organisons tous les ans 6 championnats. Le Cup Tasters pour les dégustateurs de café. Le Barista, l'épreuve reine, où on va élire le meilleur barista de France. Le Championnat de France de Brewers Cup pour les amateurs de café filtre. Là où on va sublimer les arômes de façon jamais vue. Le Championnat de France de torréfaction qui a lieu actuellement de l'autre côté du salon, ici au Paris Café Show, où on va élire le meilleur torréfacteur français. Et ensuite, le Championnat de France de Latte Art, qui est sur cette scène actuellement. On est en finale. Et nous avons notre 5e finaliste, qui est, je pense, prête. J'attends les juges. C'est notre 5e sur les 6 finalistes. J'ai le plaisir d'accueillir Neora Schwartz. Nos juges, Bart Deprez, Michael Humbert, Franck Besselmann et notre juge principal, Stavros Lamprinidis de la Grèce. Hi, I will speak in English. Neora. Bon, on est là, c'est la finale. Je te laisse lancer le temps quand tu seras prête. Oui, merci. Judges, are you ready? Time. Hello, judges. My name is Neora, and I'm very happy to be here with you today to share some memories. And for the presentation, I would like to offer you a throwback into my childhood. And for that, I decided to release 3 new patterns. Please, judges, have a look at the frame just in front of you, and I'll be right back. Thank you. Miko, the raccoon in Pocahontas. And to realize it, I will use many techniques. First, tulip. Second, rosetta. Third, waves. And then I will finish with lines, dry foam, and dots. Faites du bruit pour le premier Freeport de Neora Schwartz.
judges. This is yours. Et le deuxième flipper pour Neora. I'll be right back for the second one. Chaque geste compte. Tellement de détails et de mix de motifs. C'est ça tout le travail du latte art et du barista artiste. Entraînement souvent pendant des années pour arriver au niveau que vous voyez sur scène aujourd'hui. Une de ces personnes ira au championnat du monde pour représenter la France. Aujourd'hui, on nommera une championne judges, ou un champion. The second one will be Hercule Diero. And to realize it, I will start with Rosetta, Lines, and Rifle. D'applaudissements, d'encouragement pour Neora. Please judges, this is yours. Bravo. Everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Le deuxième, Freeport. I'll be right back for the last one. And to realize her, I will start with Rosetta and dry foam. And then with the pen, I will come to add some more details with one color to highlight the design. Thank you.
va encourager Neora sur la dernière ligne droite. Pour ce dernier designer latte, le barista utilise un ustensile. Please, judges, this is yours. Enjoy. Et voilà le premier designer latte de Laura Neora. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Thank you, time. You can't wait for their affirmation. Bravo, Neora! You can't wait for their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody wants to run, run, but I can't. Alors, quelques minutes d'évaluation sur scène sur cette dernière boisson. Bien jolie. Pleine de créativité. Tant de créativité qu'on voit dans la tasse ici, lors de ces concours de latte art. On n'aura jamais les mêmes attentes pour un café, une fois qu'on a vu ce côté artistique qui est possible. Alors, pendant que les juges terminent, je vais venir voir Neora. Ça va, Neora? Tiens. Bravo, bravo. Merci. Pour cette belle performance. C'était top. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré sur les magnifiques motifs que tu as créés? On va laisser saluer les juges. Merci à toi. Merci. Thank you. Alors, moi, j'adore cet animal. Mais oui, c'est Miko dans Pocahontas. C'est Miko, Miko the Raccoon. Oui. Trop mignon, bah trop ouais, mignon. Il est cute. Et alors, on a le Freeport, c'est Hercule. Ouais, tu vois, voilà. Et ensuite, le Samantha de Witch. Pourquoi Samantha? Tu la connais? Bah ouais, c'est ma pote. Je l'ai vue hier soir. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Donc, c'est pas ta première fois hein, sur ce concours? Non. C'est le troisième? Deuxième? Plus? Ouais. Quatrième? Ouais, j'ai arrêté de compter. Ouais, quatre ou cinq. Quatre ou cinq? Ouais. Mais... tu peux pas en avoir assez, c'est pour ça, c'est que... Bah, à un moment donné, on se met des levels et des levels et des levels, et puis tous les ans, on dit j'arrête, et puis on le oui, refait. Oui, mais Neora, tu es d'accord avec moi, le niveau monte tous les ans. Ouais, ouais, ouais. Donc, si on veut rester quand même en lice, il faut s'entraîner, et il faut retourner en tant que candidate. C'est ça. Alors, dis-nous où tu travailles, est-ce qu'on peut venir voir ces jolies créations? Alors, du coup, pour le moment, je ne travaille pas dans le café. Voilà. Je travaille dans une chocolaterie familiale. Voilà ce que j'allais voilà, dire. Anthony. Très proche. Très proche. Et puis, du coup, pour l'entraînement, j'ai eu la chance d'aller chez Grégory Raymond, qui travaille à Genève, chez Carasso. Et qui très m'ont connu. Accueilli, du coup, ouais, pendant 10 jours, faire un bootcamp. Génial.
Et voilà. Et franchement, aujourd'hui, si j'en suis arrivée là, c'est grâce à lui. Et aux 10 heures par jour. Alors justement, voilà. Je voulais te poser la question. Combien de temps d'entraînement faut-il pour arriver à faire ça? Déjà, combien d'années d'expérience plutôt? Parce que je pense que ça ne se fait pas en 2 mois. Hein. Quand on bosse dans un café, on a plus de facilité parce qu'on le bosse tous les jours. Oui. C'est déjà mieux. Ça, c'est clair. Après, je ne suis pas la bonne personne pour dire combien de temps il y en avance, il faut le faire parce que je suis la reine au dernier moment. Bah, elle fait très bien au dernier moment. Mais en fait, une fois qu'on s'y met, et il faut enchaîner. Et puis, à un moment donné, ça sort. Bien, pas bien, bien, pas bien. Alors, combien de litres de lait est-ce que tu as fait passer pour faire tous ces entraînements? Je ne sais pas, une centaine de litres par jour ou une tous les deux jours. Une centaine de litres par jour. Ouais. Énorme. Beaucoup. J'espère beaucoup. Qu'il y a du monde derrière pour les boire, hein, parce que pas toujours. Trois vaches, j'ai acheté 3 vaches. Ouais. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un du public qui veut un petit. Si les photos sont prises, vous voulez un petit latte. Elles ne sont pas prises encore. Elles ne sont pas prises encore? Non, pas maintenant. OK. Bon, on va donner un dernier petit applaudissement pour Neora pour l'instant, en attendant les résultats. Bravo à toi, Neora.